Salut à tous, aujourd'hui nouveau tuto, c'est pas un tuto capture de légendaire aujourd'hui puisqu'on a fait le tour des légendaires, sauf Cresselia, mais vous connaissez un peu le problème puisque l'île de Cresselia apparaît par hasard entre guillemets, donc c'est un peu plus compliqué pour ce dernier Pokémon. Mais aujourd'hui on s'occupe des Pokémon qui évoluent par bonheur, et c'est le cas, vous le voyez par exemple, de Togepi, hein, c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui. Des Pokémon qui évoluent par bonheur, il y en a pas mal. Alors si on fait les listes, il y a Pichu, Melo, Toudoudou, Nosferalto, Levenard, Goinfrex, Togepi, Azuril, Laporeil, Chauve-Sourire, Couverdure, Evoli, Rosebouton, Riolu et Corillon. À la nuance près que Rosebouton et Riolu n'évoluent que le jour, Corillon que la nuit, et qu'Evoli évolue en Mentalis seulement le jour et en Octalis seulement la nuit. Voilà. Le bonheur dans le jeu, comment ça marche? Eh bien le bonheur, c'est une valeur qui va de 0 à 255, voilà. Donc si vous connaissez un petit peu le mécanisme des attaques retour et frustration, vous savez un peu comment ça marche, puisque retour a une attaque maximisée lorsque le bonheur est au maximum, et c'est l'inverse pour frustration, plus le bonheur est bas, plus la puissance de cette attaque est élevée, voilà. De base, le bonheur, quand vous capturez un Pokémon, il est de 70. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, lorsque vous mettez un Pokémon au PC, ça ne change pas son bonheur. Ce qui peut changer son bonheur, ce qui peut faire baisser son bonheur plutôt, parce qu'on va essayer, c'est ce qu'on va essayer d'éviter de faire, évidemment, c'est quand le Pokémon tombe KO, c'est quand on lui donne un Pokéblock qu'il n'aime pas, c'est quand on l'échange, lorsqu'on échange un Pokémon, son bonheur est rétabli à 70, et comme il est... Le bonheur d'un Pokémon est beaucoup plus souvent plus élevé. Ça peut vous porter préjudice, mais ça peut également vous permettre, si votre Pokémon vous déteste, de le remettre à 70. 70 qui est la base. Donc quand vous capturez un Pokémon, il est de 70. Et lorsque vous faites éclore un œuf, le Pokémon n'a pas 70 de bonheur, mais 120. Donc on gagne déjà pas mal de temps. Bon, malheureusement mon Togepi il vient d'une autre version. Donc il est à 70 pour l'instant. Et pour faire évoluer un Pokémon qui évolue par bonheur, eh bien il faut qu'il ait 220 points de bonheur. Donc on va voir juste après comment gagner des points de bonheur. Mais avant toute chose, je vais vous montrer qu'on peut déterminer une fourchette pour savoir à peu près à combien est notre Pokémon. Et pour cela, il faut parler à cette jeune fille. Alors je vous montre où c'est, hein. Donc voilà, là je suis à Vergazon. Vous voyez où c'est, là je suis au sud-ouest de Vergazon, et dans cette maison, cette jeune fille va nous donner une fourchette à peu près pour le bonheur de notre Pokémon. Et là ce qui m'intéresse, c'est Togepi. Et donc si je lui demande, alors laisse-moi regarder si ton Pokémon est amical avec toi. Oh, ton Pokémon, il n'est pas très habitué à toi, il ne t'aime pas et il ne te déteste pas. Donc on est entre 50 et 89, si c'est ce message là que vous avez en français, il ne t'aime pas, il ne te déteste pas, c'est que vous êtes entre 50 et 89. Donc pour un Pokémon que vous venez de recevoir par échange, ou que vous récupérez de la Pokébank, c'est le message que vous allez recevoir. Mais si on regarde par exemple avec mon Flambusard que j'ai constamment dans l'équipe, eh bien, laisse-moi regarder, ton Pokémon, il est extrêmement amical avec toi, il ne peut pas plus t'aimer. En français, ça doit être ça l'idée. Il ne peut pas plus t'aimer. Si j'ai ce message, c'est sûr que le Pokémon peut évoluer. Mais 220, c'est entre 200 et 249. Entre 200 et 249, c'est pas exactement ça le message. C'est il semble très heureux. C'est évident qu'il est amical avec toi. Voilà, en français, ça doit être à peu près ça. Donc, je remets Togepi en tête de l'équipe. Et pour augmenter le bonheur, il y a pas mal de moyens. Il y a pas mal de moyens d'augmenter le bonheur. Déjà, avant de capturer le Pokémon, si vous n'avez pas encore capturé le Pokémon en question, eh bien, n'hésitez pas à capturer le Pokémon dans une Luxe Ball, puisque un Pokémon capturé dans une Luxe Ball, ou issu d'un œuf, mais dans une Luxe Ball, eh bien, son bonheur va augmenter beaucoup plus rapidement. Il va gagner des bonus de bonheur à chaque action qui vont augmenter le bonheur. Donc, c'est vraiment très rentable, la Luxe Ball. Mais c'est vrai que le problème de la Luxe Ball, c'est que les Pokémon qui évoluent par bonheur sont très souvent des bébés. Et du coup, c'est difficile. Alors, soit ils sont pas capturables, soit on ne peut les avoir que par reproduction.
et pas reproduction. Pour avoir une luxe ball sur le bébé, il faut que la femelle soit capturée dans une luxe ball. Donc vous voyez, on se retrouve rarement dans ce cas de figure. Donc au final, la luxe ball, c'est bien pour un Pokémon que vous n'avez pas encore capturé. Mais si vous avez déjà le Pokémon, c'est pas très grave. Ça va juste vous prendre plus de temps, mais vous pouvez aller plus vite quand même avec une luxe ball. Il y a un objet qui va vous permettre d'augmenter le bonheur très rapide, enfin plus rapide. Très rapidement. Plus rapidement en tout cas, un objet qui va vous donner un point de bonus de bonheur à chaque action qui va augmenter le bonheur. Voilà, et pour récupérer cet objet, eh bien il faut se rendre à Poivre Sel. Poivre Sel, c'est ici, hein. Vous y êtes obligatoirement passé si vous avez terminé le jeu. D'ailleurs, je vous conseille à chaque fois, si vous voulez évoluer certains Pokémon, voilà, enfin, quoique si, il y a des Pokémon qu'on peut avoir envie d'évoluer pendant l'aventure, mais je vous conseille quand même, pour les captures des légendaires, etc., vraiment, battez la ligue et terminez l'épisode Delta. Vraiment, à la limite, l'épisode Delta, c'est pas forcément obligatoire, mais battez la ligue avant de vouloir obtenir des shiny et ce genre de choses. Voilà. Une fois qu'on est à Poivre Sel, on va se rendre ici au fan club Pokémon et on va aller parler à la dame là-bas. Par contre, il me faut Flambusard en premier parce que c'est le Pokémon qui m'aime. Voilà. Il faut parler à cette personne en ayant en tête de l'équipe un Pokémon qui vous aime beaucoup. Donc un Pokémon qui ne peut pas plus vous aimer selon le personnage qui nous a donné le... qui a évalué le bonheur de nos Pokémon. Et là Flambusard, bon je sais qu'il m'aime beaucoup, hein, on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez votre starter, vous l'avez utilisé pendant toute l'aventure, vous avez largement ce qu'il faut en bonheur. Voilà, et là, oh là là, ton Pokémon t'aime beaucoup. Et elle me remet le Grelozen qui va nous aider à augmenter le bonheur de nos Pokémon. Donc le Grelozen, je vais mettre Togepi en tête de l'équipe. Voilà, le Grelozen que je vais tout de suite donner à Togepi. Voilà, prends-le, voilà. Et là, son bonheur va augmenter plus rapidement. Donc c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc maintenant on va commencer à faire des actions qui vont augmenter les points de bonheur de notre Pokémon. Et des actions qui permettent d'augmenter le bonheur d'un Pokémon, il y en a pas mal. Alors si je vous cite les plus simples, il y a certaines baies qui peuvent augmenter le bonheur de votre Pokémon. Il y a les massages, et les deux meilleurs moyens sont pour moi la marche et la montée de niveau. Alors après, on n'a pas forcément envie de monter de niveau très rapidement un Pokémon qui évolue par bonheur. Mais c'est vrai que la montée de niveau, c'est l'un des meilleurs moyens d'augmenter le bonheur d'un Pokémon. Mais on a une petite... un petit plus pour augmenter le bonheur de nos Pokémon. Et c'est les massages. Les massages, vous pouvez en faire un par jour ici, à Lavandia. Voilà. Par contre, avant ça, oui, que j'oublie pas, n'hésitez pas à utiliser des aura amitié, les aura, l'aura de niveau, alors attendez que je dise pas de bêtises, que je vous redonne, voilà, l'aura de niveau 1, multiplie par 1,5 le gain, l'aura de niveau 2, multiplie par 2, et l'aura de niveau 3, multiplie par 4, donc si vous avez des aura de niveau 3, n'hésitez pas à les balancer, ça va vraiment, vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Donc moi j'ai pas encore utilisé assez d'aura, donc j'ai encore que le niveau 1, mais on va l'utiliser. Voilà, on va faire un petit massage à Togepi, comme ça mon Togepi va se sentir très très bien. Voilà. Voilà, et maintenant, voilà, alors ça c'est seulement une fois par jour. En revanche, vous pouvez très bien parler à vos amis secrets dans vos bases secrètes. Certains d'entre eux peuvent faire des massages à vos Pokémon. Et je crois même que c'est encore plus efficace que le massage ici, mais ce n'est qu'une fois par jour. Donc c'est assez limité. Si vous avez qu'un seul Pokémon à faire, ça va. Mais si vous en avez plusieurs, c'est un peu plus compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certaines baies qui pouvaient augmenter le bonheur de vos Pokémon. C'est le cas des baies qui baissent les stats, qui baissent les EV de votre Pokémon. Donc ces baies, ce sont lesquelles? Ce sont la baie Alga, la baie Grenat, Lonne, Raisin, Tamato et Calo. Vous voyez, moi j'ai une baie Tamato. Alors j'en ai qu'une seule, j'aurais bien aimé en avoir plus. Voilà, voilà, on la donne à Togepi. Voilà, alors sa vitesse ne peut pas plus baisser, normal il n'a pas de V. Et voilà, là il a gagné un petit peu de bonheur grâce à cette baie. Il en aurait gagné beaucoup plus dans une Luxe Ball, mais malheureusement mon Togepi n'est pas dans une Luxe Ball. Voilà.
Donc une fois que ça c'est fait, on va aller voir où est-ce qu'on en est au niveau du bonheur. On va retourner voir le personnage à Vergazon. Alors vu que je suis à Lavandia, je vais pas faire vol hein, puisque c'est juste à côté. C'est juste ici, voilà. Et on retourne au sud-ouest. Mince, je fonce dans le Balignon. Et je vais aller reparler à cette jeune fille. Ah, il a l'air habitué à toi. Il a l'air de croire en toi. Ah bah ça, ça fait plaisir. Ça, ça veut dire que le bonheur de mon Togepi est entre 100 et 149. Donc on a déjà pas mal avancé. Maintenant, ce qu'on va faire, plutôt que de faire des... On peut faire le bonheur d'un Pokémon sans faire de combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à l'atoll de combat. Et on va pédaler, tout simplement. On va pédaler puisque marcher, en tout cas faire 256 pas, augmente le bonheur de votre Pokémon. Alors, ça l'augmente très peu, mais avec une aura et avec un Grelozen, vous allez voir qu'on peut avancer assez vite. Ah oui, non, 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 pas la musique badass, une musique... Voilà, la musique des copains. Voilà, pour le bonheur du Pokémon, ça correspond parfaitement. Et là, on va faire le tour de l'atoll de combat, voilà, sans s'arrêter. Alors... Pour ne pas avoir à s'arrêter, voilà, vous allez à droite à l'infini, et une fois que vous êtes face à un rocher, ou quelque chose comme ça, vous appuyez sur le haut avec la croix, ou alors vous bloquez le stick vers le haut, et voilà, et ça va vous faire aller à l'infini, ça va vous faire avancer à l'infini. Du coup, en marchant, tous les 256 pas, on va gagner. Alors, si on n'est pas dans une Luxe Ball et qu'on a le Grelozen, ce qui est très facile à obtenir, on va gagner 2 points de bonheur à chaque 256 pas. Alors, voilà, mon aura est épuisée. Donc, j'en utilise une nouvelle. J'ai assez de points en plus, c'est parfait. J'aimerais bien gagner la nouvelle aura quand même. Ça me ferait plaisir. Voilà, donc évidemment, je vais vous passer tous ces tours de l'île. Et on se retrouve juste après un milliard de pas. Voilà, à tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai fait mes pas par milliers, je retourne à Vergazon pour vérifier le bonheur de mon Togepi, hein, qui est toujours en tête de l'équipe, vous le verrez. Voilà, et là, si je parle à ce personnage, que va-t-elle me dire? Ton Pokémon, il semble très heureux, c'est évident qu'il est amical envers toi. Donc là, le bonheur de mon Togepi est minimum à 200. Et pour que mon Togepi évolue, il faut qu'il flotte à 220. C'est pareil pour tous les Pokémon qui évoluent par le bonheur, je le rappelle, voilà. Donc maintenant, il suffit de faire monter de niveau mon Togepi pour qu'il évolue. Puisque je sais qu'il est à plus de 220. Donc là, je vais simplement utiliser un petit super bonbon. Et là, mon Togepi évolue enfin. Ça m'a pris quoi ? 10 minutes de vélo. On s'est gravement fait chier à vélo, hein. Vous n'avez pas vu, mais voilà, on s'est gravement fait chier. Mais au moins, ça nous a permis de faire évoluer Togepi, voilà. Ça marchera pour vous exactement de la même manière. Voici un magnifique Togetic, c'est formidable. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager, que sais-je, et à vous abonner, évidemment. Il y a des tutos, il y en a plein sur ma chaîne, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Twitter, comme ça vous verrez mon actualité. Et n'hésitez pas également, à venir voir les lives sur Twitch, vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à venir voir ça. Voilà, que ce soit sur ma chaîne perso ou sur Innovatio. Oh là là, il est magnifique, Togetic, voilà. Écoutez, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde. Tu peux me retrouver sur Facebook et sur Twitter et sur Twitch pour des lives chaque semaine. Allez, bisous.